première claque, et pas des moindres, ICO est sorti en 2001 sur PlayStation 2. Début 2002 en France, mais fin 2001 au Japon. Il y a donc 10 ans, ce qui ne rajeunira personne. Shadow of the Colossus, lui, a vu le jour en 2005 au Japon et début 2006 en France, toujours sur PS2. Les deux titres sont signés par la team ICO, un développeur first party lié à Sony Japon. Une entité de développement dirigée par Ueda Fumito, un game designer de génie dont l'approche du jeu vidéo n'est pas sans rappeler celle d'Eric Chahi sur Another World. Ueda a d'ailleurs reconnu s'être inspiré du jeu français sorti sur Amiga en 91 et un peu plus tard sur Super Nintendo sous le nom Out of This World. Depuis maintenant quelques temps, la mode est à la conversion HD. Ubisoft, Capcom, Microsoft, Konami, Sega, tous les gros éditeurs ont fouillé dans leur catalogue pour sortir en boîte ou en téléchargement des conversions HD de leurs jeux ou séries à succès. On n'épiloguera pas ici sur l'aspect mercantile du phénomène pour plutôt partir du principe qu'une conversion HD, c'est avant tout l'occasion pour de nombreux joueurs de découvrir des titres à côté desquels ils étaient potentiellement passés. Et si passer à côté de Sonic Adventure par exemple n'a rien de dramatique, ne jamais avoir joué à ICO ou sa suite spirituelle, Shadow of the Colossus est tout simplement intolérable. Rien que d'y penser, ça file des frissons. Il faut avoir joué à ICO et Shadow of the Colossus. Non seulement ces deux merveilles ont eu une énorme influence sur le jeu vidéo en général, mais en plus ce sont des expériences uniques. Les deux titres de la team ICO sont des jeux que l'on n'oublie pas. Aujourd'hui disponible pour moins de 40€ dans une édition spéciale, ICO et Shadow of the Colossus Classics HD, leur conversion HD, n'ont pas été réalisés par la team ICO, bien trop occupée à prendre du retard sur The Last Guardian, mais par Bluepoint Games. Ce studio texan, créé en 2006 par d'anciens membres de l'équipe de développement de Metroid Prime, s'est fait une spécialité de la conversion HD, puisqu'on leur doit également God of War Collection. Si on peut trouver à redire sur leur travail, s'exposer une nouvelle fois au game design et à l'ambiance unique des deux œuvres de Ueda Fumito est un plaisir sans nom. Nous n'allons pas nous attarder longtemps sur le scénario de ces deux titres. Déjà parce qu'on peut davantage parler d'idées que de scénario. Le pitch des deux jeux tient en effet en deux lignes. Pour ICO, vous incarnez un jeune garçon ayant eu le malheur de naître avec des cornes. Rejeté par ses pères, il est enfermé dans une étrange forteresse qui s'avère être habitée par une jeune fille diaphane, Yorda, avec laquelle il tentera de s'enfuir. Pour Shadow of the Colossus, vous incarnez un autre jeune garçon qui dépose le corps d'une jeune fille décédée dans un temple perdu où vit une mystérieuse entité. Celle-ci lui propose un marché. Elle lui rendra la vie s'il accepte de tuer 16 colosses dispersés sur les terres environnant le temple. Et voilà, vous savez tout. Le reste se vit plus qu'il ne s'explique ou est expliqué d'ailleurs. ICO et Shadow of the Colossus partagent en effet une même passion pour le mystère. La poésie se dégageant de la mise en scène et de l'atmosphère propre à chaque jeu permet à chacun d'écrire sa propre histoire et de greffer entre les pixels un ressenti tout ce qu'il y a de plus personnel et subjectif. ICO comme Shadow of the Colossus ont en commun un gameplay des plus simples, avant tout basé sur l'exploration et le sens de l'observation. ICO par exemple ne propose aucune jauge à l'écran. Pas de barre de vie donc, et encore moins de score. Le petit garçon incarné peut courir, sauter, déplacer certains objets, s'agripper aux corniches et aux chaînes, activer divers mécanismes. Et il peut se battre à l'aide d'un simple bâton qui lui permet de désagréger les ombres noires qui tentent de s'emparer de Yorda. Shadow of the Colossus est déjà plus complexe. Une jauge d'endurance illustre la capacité du jeune homme à se maintenir en équilibre lorsqu'il s'accroche à la fourrure d'un colosse par exemple, et une barre de vie est présente. Il possède plusieurs armes, une épée qui fait aussi office de boussole mystique et un arc. Mais chaque jeu place au cœur de son gameplay un élément inhabituel, l'émotion. ICO peut ainsi tenir la main de Yorda en maintenant la gâchette R1 appuyée pour l'emmener avec lui dans les dédales de la forteresse. Cette idée toute bête, renforcée par les vibrations de la manette, les battements du cœur de Yorda, contribue à créer un lien d'une force surprenante entre le joueur et ce personnage éthéré, innocent et un peu perdu, contrôlé de façon très ténue par l'IA. Il faudra l'aider à grimper, la rattraper lorsqu'elle tombe, la tirer hors des vortex créés par les ombres noires qui tentent de l'enlever, la guider à travers les dédales de la forteresse. Yorda doit toujours être à portée de main.
Seule, elle est sans défense, à la merci des ombres polymorphes qui peuvent jaillir à tout moment des pierres. La laisser derrière soi est un déchirement. Shadow of the Colossus, lui, propose au joueur un compagnon bien différent, mais néanmoins tout aussi important. Son cheval, Aggro. C'est grâce à lui qu'il peut traverser les terres désolées à la recherche des colosses, grâce à lui aussi qu'il aura la force d'aller jusqu'au bout de sa quête. Et que dire des colosses? Ces titans à la fois majestueux et terrifiants, qui semblent ne faire qu'un avec la nature et se dressent devant vous. Pour la première fois dans un jeu vidéo, on peut littéralement escalader une créature vivante. Une évolution majeure dans les genres plateforme et action, dont l'influence se fait sentir encore aujourd'hui sur des productions aussi diverses que God of War, Castlevania Lords of Shadow ou Bayonetta. On observe la créature, on découvre ses points faibles et on tente ensuite de les atteindre en recourant à des ruses toujours différentes. Il faudra en blesser certaines, en provoquer d'autres et en berner quelques-unes. Une fois juché sur elles, le joueur devra être adroit et rapide, précis et sans pitié, les créatures cherchant par tous les moyens à se débarrasser de ce parasite mortel. Comme Ico, il faudra s'accrocher, ne jamais lâcher prise, coûte que coûte. Les deux jeux proposent d'ailleurs un level design d'exception, chaque colosse pouvant être considéré comme un niveau à part entière. Doté d'une prise en main intuitive, les deux œuvres de la team Ico s'ingénient à brasser les genres pour épurer des mécaniques de jeu touchant à tous les styles. Plateforme bien sûr, combat, exploration, réflexion, en ne jouant finalement que sur un registre, celui de l'émotion. Ico est le fils spirituel de Another World, un jeu où l'amitié ignore les différences, le côté exploration en plus. Quel jeu n'appartenant pas au genre RPG peut se vanter d'avoir réussi à créer un tel lien entre le joueur et un personnage virtuel, muet et désincarné? Stupéfiant d'inventivité et de grâce, Shadow of the Colossus est une expérience inoubliable, un poème interactif d'une rare âpreté. Ici, la peur n'est pas liée à la perte d'un être cher, mais à celle de poursuivre sa quête, au bout de laquelle pourtant une princesse peut être sauvée. Ico comme Shadow of the Colossus sont d'intarissables sujets de débat. Décortiqués, analysés, psychanalysés même, ils retrouvent aujourd'hui le divan qui leur convient finalement le mieux, celui où le joueur pose ses fesses devant sa télé HD. Toujours aussi impressionnant visuellement qu'il l'était sur PS2, les deux titres gagnent en finesse et en fluidité. Mais leur moteur reste daté, pas d'upgrade à ce niveau-là. Shadow of the Colossus souffre toujours des pop-up de textures et des pans de décor entiers apparaissent parfois devant vous. On ne peut pas vraiment dire que la puissance de la PS3 ait été mise à profit par Bluepoint Games. Pourtant, la magie opère toujours autant, en grande partie grâce aux musiques incroyables des deux jeux. Et vous savez quoi? Les deux jeux n'ont pas pris une ride d'un point de vue gameplay. En fait, le seul véritable défaut de cette édition Classics HD est qu'elle n'accompagne pas la sortie de The Last Guardian, le prochain jeu de la team Ico qui se fait cruellement attendre.